Bonjour et bienvenue sur Far Cry New Dawn pour le 8e épisode avec le Barry Ball 40. Nous revoici à Prosperity après l'attaque des deux sœurettes. Et aujourd'hui, on va aller chercher un expert. Célène. Donc, allons secourir Célène. Mais avant toute chose, on va aller voir dans les talents. Vite fait, bien fait. Allez, 8 points. Ça me paraît plutôt pas mal. Ça. Si. Plus de midi. Non, on va prendre ça. J'ai 8 points, autant prendre ça. Allez, go. Ça c'est fait. Et mon groupe. On va réanimer Médor. Voilà, affecté. Bonjour Médor. Compris. Bon, j'espère qu'il va pas mourir cette fois-ci, parce que le pauvre, à chaque épisode, il meurt. Hein. On va dire ce qu'il est. Donc voilà. J'ai combien d'éthanol là? Je m'en rappelle plus. Ouh. J'aime pas beaucoup. Malgré tous les problèmes, on a survécu à une attaque éclair. Allez, on est parti. Tu nous as bien aidé à Prosperity. Merci. Ouvrir la petite moto. Bon, on va dire ce qu'il y a, 1,7 km. Je vous dis à tout de suite. On est à côté de Célène. Je me demande bien parce que je ne connais pas du tout ce personnage. Il est tout nouveau, lui. Donc, on va voir ce qu'on nous veut. Là. Hein? Je veux bien ça. Ah, c'est l'ancien bunker de Joseph. Allez là-bas. On va voir s'il y a. Oh, on peut rentrer. Allez, on visitera après. On va d'abord faire la mission. Et après, on va visiter. Ça, je veux. Merci. Il y a beaucoup de choses que j'ai. La physique, la psychologie. J'ai besoin d'une paire de bras. J'ai déjà les miens, mais il m'en faudrait d'autres. Ah, c'est le docteur. Je suis au beau milieu de la pire putain de descente depuis le Big Bang de l'univers. Je déconne même pas. Je fais pousser des plantes, tu vois quoi, des plantes. Me demande pas quel genre, c'est le genre qui marche, ok? Ce genre-là. Je me baladais avec une trousse de terrain et... je l'ai fait tomber. Ouais, et juste au-dessus d'une ouverture dans le sol. Il y a au moins une année entière de mes réserves là-dedans. Cette trousse m'a sauvé d'au moins 8 maladies et 4 infections, rien que dans les 6 derniers mois. Je peux en faire pousser plus, ok, mais honnêtement, je te dis ça vraiment juste entre nous. Sans ce que j'ai fait tomber, je pourrais jamais survivre. Je tiendrai pas jusqu'à la prochaine récolte, je tiendrai même pas un mois sans. Les gens meurent de n'importe quelle connerie maintenant. Récupère ma trousse et je m'occuperai de toi et de ta bande. Comme ça, vous mourrez juste de la violence, comme Dieu l'a voulu. Au lieu de crever en marchant sur un clou. Ok. Bon, ben... Oui, oui, je veux faire ça. Récupérer le... Ok, bon, on va la récupérer. Vous croyez que je saute direct d'ici ou bien... Non, ça va. On va faire ça mieux, quand même. Donc, on va aider... Je commence à être bien attaqué. Je crois que c'est une Jenki, hein, entre nous. Mais bon... Ah ouais, j'ai compris.
J'ai compris. Avec moyen qu'on va on va tomber là. Sans déconner quoi. Elle paraît pas solide, hein. Voilà. Oh, t'es tombé. Ah ouais, bien sûr. Mais est-ce que j'ai récupéré le truc au moins? Oh. Ah, que de souvenirs ici. À monter dans ce silo. D'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Ah, des restes! Ah, c'est celui que j'ai tué la dernière fois, en étant officier. Ok, l'eau et l'électricité, ça fait bon ménage, on le sait tous, hein? D'accord? Alors, j'ai les pieds dans l'eau et l'électricité au-dessus. Bon, ça va, j'y vais quand même, hein? Pas peur. Oh purée. Le monde quand même vachement vite, tu vois. Et tu devrais revenir au cours principal. Ah oui, bien sûr, je reviens. Je répète, il y a de l'électricité, hein. Oui. Ah là là. Se baigner, c'est bien. Je crois, bon, ça va, je crois que c'était une partie facile, ça. Alors, je compte. 1, 2, 3, 4. Au moins 4. Mais un problème, parce qu'il faudrait qu'elle monte. Faut que tu continues à inonder l'endroit. Regarde autour de toi. Merde, je suis plein. Oh ben, on va faire des trucs alors. Donc tellement le temps, je vous dis pas non. Ah, dommage. Non, la viande, je la garde. Voilà. Ah non, je suis quand même plein. Ok, bon. Je sais pas ce que ça devait être. Un fichier, est-ce qu'après ça sera perdu quand vous rendez compte. Oh putain. Ouais, on va prendre quelque chose qui tire large, hein. Ça, je suis obligé de viser. Et je monte sur les murs. Speeder chien. Speeder chien. Allez, ils ont quand même vidé les lieux, là. Ça me fait plaisir de revenir ici quand même, hein, vers ce pays. Ouais, ben ça, je le fais. Hein. Un peu stressante la musique quand même, hein. Ok, mais c'est pas fini. On va voir qu'on voit une merde interactive maintenant.
Bon, mais... Allons-y! Eh bien, ça a été prévu pour que ce soit juste, hein, on va dire ce qui est, hein. Ouh, j'ai retenu mon souffle, moi aussi, hein, je parlais pas du tout. J'ai... Oh là, ouais, ouh. Ah merde, on va faire le chemin inverse, quoi. Ouh. On peut ouvrir la porte, là. Ah ouais, mais... Bon, mais go. Allez, parti. Ok! C'est une façon comme une autre de monter. Ok. Je sais pas ce que t'as fait comme magie avant, mais faudrait que tu recommences. Tourne une poignée ou secoue un bidule pour faire monter la pression. Ah d'accord, en fait on va pouvoir aller là que quand l'eau montera. Ok, ok. On y va. Faut réfléchir un peu quand même, hein. Ah, ok. Je l'ai pas vu, elle. Ah, vite, 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 vite. Parce qu'ils ont donné juste ce qu'il fallait pour se barrer, hein. Ni plus ni moins. Oui, j'ai bien compris. Tu manques d'air, tu manques d'air. Ah, ah non, 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 non. Ah. Il y a de l'eau, il y a des crocos. Non, sans déconner. Ah oui. Et pourquoi elle le dit que maintenant, hein? Alors pourquoi elle le dit avant que je saute? Hein, j'ai un grappin, tu vois, j'aurais pu prendre des précautions. Non, non, mais non, non, non.
Faut que je me baigne avec des croquins. Ah non, des crocodiles. Des crocodiles. Yo, t'as juste besoin d'un peu plus d'eau. Essaie avec l'échelle. J'aime pas les serpents, ils sont toujours stressés. Regarde où tu fous les pieds. Et il y a des serpents. J'ai tête les serpents. Bon, on va les flinguer avec ça, hein, d'accord. Pour ce qui me sert. D'ailleurs, je devrais peut-être le changer, hein. Les crocodiles. Je te vois. Hitchat. Ouais. Et mine de rien, attends, t'as vu la tête d'un serpent. C'est pas facile de faire un hitchat avec la tête d'un serpent, quoi. Ça, ça a l'air plus gros, hein. Il y a un ours ici, sans déconner. Affamé en étant en train de mourir dans de coquilles brisées et humides, lorsque Joseph en personne est apparu au sommet du silo. Tout ce qu'il a dit s'est réalisé, je le savais, tout au fond de moi. Je le savais que le père était vivant, je n'ai jamais eu autant la foi en lui qu'aujourd'hui. Il a dit qu'il avait laissé l'ancien monde derrière nous. À vrai dire, parce que je n'ai jamais... Je n'ai plus envie de revoir cette sphère maudite qui disparaît au fond de l'enfer. Je vais remonter à la surface. Dans un nouvel Éden. Ouh. On me stresse. Allez, j'avance. C'est lui qui faisait le bruit d'un ours, quoi. Un croco. Pour nous, je pense pas qu'il y en a que, hein. Allez, on va vers notre destin. Je sens qu'il y en a un qui va me sauter à la gueule. Je vais pas comprendre d'où ça vient. Je bouge mon petit cul, je bouge.
Bon, allez, vous êtes putain de sortie, quoi. Franchement, les super-héros ont qu'à bien se tenir. On voit bien que t'as le crossfit dans le sang. Tu peux le faire. Balance les burpees. Ah, c'est déjà là, quoi. Voilà. Ouh. Wow. Eh bien, on peut dire qu'elle était stressante, cette petite mission, si elle est finie, hein, parce que... m'inquiéter de claquer d'une infection un mois plus tard. Merci, vraiment. Je me disais que ce serait bien d'aider les gens plutôt que de chercher des racines comme une vieille crève la dalle. Du coup, ça te dérange si je viens avec toi? Je peux installer mon labo dans le jardin de ton campement, par exemple, histoire de renforcer ton système immunitaire et te donner la pêche. Pense à ton capital santé. Déménage mon matos tout de suite, ok? Ouais, je vais y aller. Je vais m'installer. Merci encore pour tout ça. Et nous voilà avec un docteur! Ah, ça c'est bon ça! Un expert en plus! Bon allez, on va chercher vite fait les compos là. Une dernière. Bien sûr, la dernière va pas être aussi simple à trouver. Quoi. Bon, ben dans le coin. Pas cacher 5, ils vont pas manquer cacher la 6ème quand même. Ah ben allez, allez là. Voilà. Le tombeau de l'inquisiteur. Ça, c'est fait. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, je vous propose d'aller prendre cet avant-poste. Allez. On est parti. Je vous dis à tout de suite. Et je vous dis re. Approchons-nous doucement, sans se faire repérer. Sans se faire repérer, j'ai dit. Il y a quand même un peu de monde quand même.
Là, ça c'est fait. Non, on va pas mourir comme ça là. Wouah, j'ai pris cher. T'en fous de mon arme. Allez, lève-toi, mon chien. Oui, 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 oui. Non, ça va. Ouh. On l'a eu. C'est pas discret, hein. Mais il n'y a eu qu'une alarme. Quelque chose de... Ah, ça coûte cher, cette connerie là. Je réfléchis en fait. Beaucoup, mais je vais. Ça se réfléchit. Donc, je pense. Je vais me faire une petite arme d'appoint. Allez, go. Voilà. On peut même faire cette arme. 58, 48. Vous voyez, 58, 48. Cela me demande quoi? Ça. Cela me demande aussi de la... 67, c'est là.
Et celle que j'ai en ce moment, c'est... C'est pas énorme ce que j'ai en ce moment. Qu'est-ce que j'ai en ce moment là? Hein? Ah c'est ça. En fait j'ai qu'un truc... Allez, hop là. Il me faut une autre mitraillette. Qui a un peu plus de gueule. Un autre fusil d'assaut, 67. Et lui, il fait combien? 60. Donc celle-là fait plus de dégâts que celle-là. Allez, go, c'est parti. À ta place. Ah, elle a pas assez pour faire un pompe. C'est dommage. C'est pas grave. Le prochain coup, on se fera un pompe. Là, on a ce qu'il faut. Disent. Écoutez, on sait qu'il y a un lapin dans le coin qui crée des problèmes, mais vous en faites pas pour ça. Quand on a débarqué dans ce trou paumé, c'était juste 2-3 fermes et la communauté de cinglés. Mais on a pris les fermes et on a repoussé les dingos dans leur petite enclave. On a fait du beau boulot. Et je vous le promets, c'est pas un lapin qui va nous casser les couilles. Quelle vulgarité! J'ai une bonbonne de propane au cul, je vous dis pas. Ah, il y a même à l'intérieur, non. Allez, quand on prend d'assaut, comme ça, on prend pas le temps de visiter les choses. Du cuivre. Ah ouais. C'est marrant. Ah oui, je veux bien ça. Allez hop, du cuivre. Bon, ben voilà. Eh ben... Je pense que c'est annonce la fin de notre vidéo. La prochaine fois, je vous propose qu'on aille faire ces trois points. Ces trois points et on va aller se rapprocher de Nikrai. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation à ce que vous faisiez. Et à plus tard.